Et ma foi, par la suite, ben, on est resté. Ma mère avait un de ses frères qui était venu en France depuis tout jeune pour travailler, vous savez. Il est venu en France, il avait 25 ans quand il est venu, c'est un bûcheron. Il travaillait dans les bois et ma foi, mon père correspondait parce que moi, bon, ben, je causais le polonais, je cause encore bien, hein. Mais bon, je savais pas ni écrire, ni rien du tout le polonais, hein. Parce que bon, ben, on n'allait pas à l'école. Là, je que j'avais, moi, je n'avais jamais été à l'école là-bas. Hein. J'ai été à l'école là pendant 2 ans en France, hein, c'est tout. Hein. Eh bien, je vous assure que j'aurais été à l'école, j'aurais peut-être fait quelque chose parce que là, il fallait déjà apprendre à causer le français. Et puis après, lire et écrire. J'écris impeccable, mais comme ça se prononce, l'appareil à un S, moi, ça, je ne savais pas. Tout ça, et je faisais beaucoup de fautes, mais bon, ça fait rien, ça on s'en fout. Mais je vous dis, après la guerre, eh bien, au lieu de repartir en Pologne, eh bien, on est resté là, on a atterri là, au château d'Hambourg, là, au Bonichon, ça s'appelle.